Vous avez le rôle régalien, ordinaire, et vous avez le rôle de développement à travers les délibérations du conseil communal. Cette tournée du préfet intérimaire du département des Collines fait suite à celle entamée il y a une semaine dans le département du Zou. Firmin Couton se met ainsi au parfum des difficultés qui freinent les communes pour amorcer le véritable développement à la base. Dans la commune de Banté, le paiement des factures d'électricité est l'un des sujets qui focalise les attentions. L'absence d'une représentation de la SBE au niveau communal qui est source de tracasseries et de désagréments récurrents aux clients. La défaillance de la SBE dans ses prestations, entretien, réparation des installations, la baisse de tension, le réseau limité. Autant d'insuffisances qui nécessitent l'intervention des autorités compétentes. J'ai été rassuré par le directeur régional de la SBE la semaine dernière qui me disait que d'ici là, un mécanisme de paiement plus approprié sera mis en place pour permettre à ces populations-là d'honorer leur engagement auprès de la SBE pour ne pas subir des désagréments y afférents. Certainement qu'il y a un mécanisme qui est en cours, mais qui fera l'objet d'études d'abord avant d'être vulgarisé. Nous attendons d'ici là ce mécanisme de mise en place de paiement facile pour les populations directement par elles-mêmes, au lieu qu'on attende un agent ou bien d'aller quelque part verser les fonds. Si ce mécanisme est mis en place, je crois que nous aurons plus de paix, nous aurons plus de satisfaction au niveau de la clientèle de la SB2E. Une satisfaction des populations qui passe aussi par la sécurité des personnes et des biens. Le fait d'enlever des humains, aller les cacher quelque part et réclamer de la rançon relève du terrorisme pur et qui doit être traité comme tel. Je crois que tous ceux qui ont été pris dans ce cadre-là ont été systématiquement déférés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le même exercice sera fait dans les 8 autres communes du département des Collines. L'objectif étant d'améliorer les performances des communes dans le processus de développement à la base.